Le travail, c'est un vecteur d'émancipation de chacun. C'est un moyen pour échapper à sa condition. C'est un moyen pour devenir ce que l'on veut devenir. Pour pouvoir donc gravir ces échelons, il y a deux choses. Il y a d'abord ce qui doit être garanti dans la société. Et donc, ce sont les pouvoirs publics. C'est la société qui doit permettre à chacun de pouvoir accéder à tout. Mais à côté de ça, il y a un vrai travail aussi personnel. C'est lutter contre l'autocensure. On va se dire, moi je ne suis pas capable, moi je ne peux pas faire cela, ces métiers sont destinés à d'autres, ces métiers sont destinés à d'autres classes sociales. On ne peut pas ne pas accéder à un métier parce que l'on vient d'une famille populaire. Ça n'existe pas en France, ça ne doit pas exister en tout cas. Donc ça demande de redoubler d'efforts, parce que ça demande parfois de lutter contre soi-même, ça demande parfois de lutter contre un entourage qui va peut-être essayer, pour éviter d'être déçu, peut-être essayer de calmer les ardeurs de chacun. Moi je dirais au contraire, c'est toute la société qui doit se mobiliser, c'est tout l'entourage qui doit se mobiliser, et c'est les premiers concernés qui doivent redoubler d'énergie pour dire, moi j'ai envie de devenir ça, j'ai envie de devenir cette personne, eh bien je vais me donner tous les moyens pour être cette personne.